Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Soudiz. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur Stumble Guys. Mais avant de commencer, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On va lancer tout de suite la petite roue gratuite. Alors qu'est-ce qu'on aura dans cette magnifique roue de la chance? Ah là là, des jetons, ah là là, des jetons. Bon, ça commence bien la vidéo. Aujourd'hui les amis, on va tester le nouveau mode qui est sorti il y a une heure je crois, hein, vraiment, il est sorti tout récemment. Le mode Atelier Stumble, où on peut jouer à toutes les maps si vous en faites. D'ailleurs, je vais commencer une petite série que tout le monde connaît, hein, je pense que tout le monde s'y attendait. Une série, je teste vos niveaux sur Stumble Guys. Alors mettez tous vos codes parce que ouais, il y a des codes, hein, faut mettre des codes. Mais aujourd'hui on va tester tous les niveaux faits par Stumble Guys, en gros des bêtas faits par Stumble Guys. Et on va tout de suite commencer par The Gauntlet. Je sais pas comment on dit ça. Vraiment aujourd'hui c'est une session découverte pour voir si ça a vraiment du potentiel, si on peut faire de bonnes vidéos avec vos parcours. Et on peut voir ce qu'on va faire ici les amis. What? Qu'est-ce que j'ai pris comme parcours? Oh mon dieu! Oh là là, mais... C'est tellement chaud, c'est incroyable. Alors si vous me demandez pourquoi j'ai pas avancé dès le début, eh ben parce que mes touches se réinitialisent à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour. Et comme là, bah, c'était une nouvelle mise à jour, les touches se sont réinitialisées. Ouais, ça commence bien. Oh, il y a un checkpoint ici. Ok. On y va, on passe. Oui. Oh là 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 les amis, c'est tellement dur. Oh là là. Allez, on utilise l'emote. Et on est qualifié. Bon, pour ce petit parcours, je lui mettrai un petit, allez, 6 sur 10 parce que franchement il est pas mal. Mais il est hyper dur. Bah après peut-être qu'il y en aura d'autres plus durs. On verra. Allez les amis, c'est parti et on va tester The Big One. Et je vous le redis les amis, si vous voulez mettre vos niveaux dans les commentaires, faut juste mettre le code et je les testerai en vidéo. Allez, c'est reparti. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va pas... C'est plutôt tranquille. Ok, là ça va tourner. Non, je rate ça. Ok. Regardez-moi ça. Comment il est le tourbillon? What the fuck? J'ai l'impression que tout est écrasé. Oh oui. Non, c'est pas possible. Ok, heureusement, il y a des checkpoints de partout. C'est assez facile, entre guillemets. Oh là là, c'est... C'était hyper dur. What? Et on est qualifié. En vrai, les amis, pour ce petit parcours, il est petit. Facile. En vrai, bon, 7 sur 10, hein, les amis. Hein. Et maintenant, c'est l'heure de passer à l'autre parcours, brick by brick. Ok, bon, bah, c'est parti. Hein. En vrai, je suis surpris que les parcours, c'est vraiment de la qualité. C'est vraiment fait pour nous faire rager. En plus, ça sera à nous bientôt, enfin, bientôt, de les construire. Et c'est parti pour jouer à brick by brick. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Celui-là, il a l'air tout petit peu plus complexe. Okay. On peut pas passer par là? Ah si, on peut passer par là les... Eh bon, je vais faire comme ce que le jeu me demande. On va pas faire compliqué. Eh, je sais pas pourquoi je me mets pas comme ça. Voilà, là comme ça, ça sera mieux. Hop. Un peu mieux. Ah, j'avais pas vu. Ok, tranquille. Ok, super. On passe. Normalement. Allez, oui. Alors ça fait quoi? Ok, d'accord, c'est comme des pics en fait. Ok. Bon bah les amis, c'était plutôt simple, je dirais, hein, en vrai. Et pas beaucoup de difficultés, pardon. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce glitch. Et
pas beaucoup de difficultés. Non, en vrai, il est pas mal, il est pas mal. Allez, à mon petit 8 sur 10, hein, franchement, on monte dans les notes, ça c'est bien, c'est pas comme moi. Et là, regardez-moi ça, ce parcours, il a l'air extrêmement difficile. En tout cas, c'est le niveau le plus difficile, je pense, de ce mode bêta de Stumblegeys. Enfin, de ces maps bêta de Stumblegeys. Comment je fais pour passer là? C'est pas possible, je ne peux pas passer. Ouais, utiliser. Non, pas cette émote là, non. Oh oui, j'ai réussi. Je sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi à passer. Celui-là, assez facile. Hein. What? Mais pourquoi? Ah, me jugez pas, hein, c'est des maps que j'ai pas l'habitude de faire. Hein. C'est même la première fois. Oh là 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 là. Ah, je l'ai fait au mauvais moment. Je l'ai fait au mauvais moment. Je sais pas par où passer du coup. Non, je pense pas qu'on peut passer par là. Ah oui, c'est bon. Oui, je suis passé. Et on va utiliser l'emote volleyball si ça veut bien. D'accord, je suis passé sur l'autre. Je suis passé sur l'autre plateforme. Enfin, je repasse là. Enfin. En fait, regardez les amis, il y avait juste à passer sur le côté là. Oh là 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 là. Non, arrêtez. Oh non, mais c'est pas possible. Oh. Oui, enfin. Enfin. Oh là là, enfin. Oh les amis, ça fait du bien ce j'en peux plus de tryhard. Et vite avant que le chrono s'arrête. Et on y va et on est qualifié. Oh, enfin. Bon bah les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a extrêmement bien plu. C'est normal, c'est moi qui l'ai faite. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.